Cette vidéo est adaptée d'une conférence que j'ai donnée à l'université de Rennes 2 dans le cadre de la semaine d'animation Halloweek, sur l'impulsion de l'association Rennes 2 eSport Club, que je remercie encore pour cette invitation. Malgré mon associabilité chronique, j'ai tout de suite été emballé par la perspective de parler de jeux d'horreur, parce que même si c'est un genre que je consomme peu, je le trouve absolument fascinant dans les procédés qu'il emploie pour générer chez le joueur une émotion particulière, en l'occurrence, la peur. Dans cet épisode, nous allons donc aborder en détail un des divers ressorts de l'horreur propre aux jeux vidéo, à travers l'exemple du jeu indé SCP, Containment Breach. Containment Breach est un jeu sorti exclusivement sur PC, en 2012, et qui a connu plusieurs ajouts et modifications successives jusqu'à sa version actuelle, qui est la 1.3.11. Il a été développé dans un coin par un certain Jonas Rikkonen, de nationalité suédoise, qui était alors en fin d'études secondaires, et a toujours été mis à disposition gratuitement sur son site, ou depuis quelques temps dans une version faiblement remasterisée sur Steam, qui contient un certain nombre d'ajouts développés par la communauté, et qui est la version sur laquelle j'ai fait ces captures. C'est donc un projet passion bricolé dans le langage Blitz 3D plutôt sous-optimal pour la programmation de jeu, et qui a pour but principal de mettre en scène et de rendre hommage à l'univers de la Fondation SCP, que l'on va détailler dans quelques minutes. Ce caractère amateur et non lucratif explique que le jeu souffre d'une finition très imparfaite, et de nombreux problèmes techniques. Sans même parler du fait qu'il semble avoir 15 ans de retard sur l'évolution visuelle de son médium, avec des modèles 3D du niveau de ceux de Half-Life, des animations rigides, une approche de la luminosité très douteuse et une direction artistique plutôt austère, le simple fait de lancer Containment Breach sur du matériel moderne peut être une gageure. Certaines résolutions proposées par le launcher font cracher le jeu, les manettes ne sont pas prises en compte, les options de mise à l'échelle des icônes du bureau dans Windows 10 et 11 empêchent d'utiliser correctement la souris, et malheur à vous si l'idée vous prend d'essayer de Alt-Tab pour sortir du jeu. Vous n'aurez plus qu'à couper le courant de votre ordi. Au-delà de ça, l'équilibrage de certains paramètres, notamment de difficulté, sur lesquels on va revenir, ont de quoi faire lever un sourcil d'étonnement, et n'ont pas l'air d'avoir été aussi réfléchis qu'ils auraient dû l'être. Clairement, Containment Breach ne fait pas très professionnel. Mais c'est parce qu'il ne l'est pas, donc on va passer outre cet aspect et s'intéresser à ce pourquoi on est venu, son game design et son approche de l'horreur. Containment Breach s'inscrit dans le genre du survival horror. Vous évoluez dans un complexe, à la première personne, en cherchant à en trouver la sortie, tout en échappant à diverses menaces, pour la plupart surnaturelles. On peut discerner une inspiration Half-Life dans la volonté de ne jamais retirer le contrôle au joueur et de faire se dérouler le peu de scénario sous la forme d'événements scriptés en temps réel. Et personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi beaucoup de Sif, à la fois dans l'importance donnée au son et aux éclairages, dans l'approche de l'orientation sans éléments externes au jeu, et également dans l'interface, principalement intradiégétique, avec notamment, comme dans Sif, des documents manuscrits ou tapuscrits à déchiffrer tels quels. Là-dessus, tout plein de systèmes et d'astuces de game design sont employés pour nous faire exploser le trouillomètre, et nous allons les examiner. Vous êtes dans Esquive le zombie, clignez des yeux avant de passer la porte, et c'est parti. Alors, déjà, comment génère-t-on de l'horreur, ou dans une moindre mesure de l'angoisse, de la panique ou du malaise, dans un jeu vidéo? En examinant le design de quelques grands noms du genre, on peut distinguer une poignée de techniques qui ont fait leurs preuves. Passons rapidement sur celles qui sont reprises des arts graphiques ou du cinéma, qui marchent tout aussi bien dans le jeu vidéo, qui est en partie un art visuel. Certaines choses sont connues pour mettre les êtres humains en divers degrés de PLS quand elles sont représentées visuellement, le body horror, les araignées, les poupées, les clowns, les pièces sombres, la maladie, la torture et bien sûr, la mort. Les jeux d'horreur n'hésitent pas à piocher dans cette imagerie, qui, en fonction de la qualité de la direction artistique, peut être saisissante. Et je peux vous garantir qu'un jeu qui figurerait par exemple ce type de visuel n'aurait pas le droit de m'approcher à moins de 3 manettes de distance. De même, le sound design et certaines techniques musicales que je serais bien en peine d'expliciter sont tout aussi efficaces dans un jeu vidéo qu'au cinéma pour maintenir le joueur tendu et lui titiller les nerfs. Mais ce qui va surtout nous intéresser ici, ce sont les techniques propres aux jeux vidéo, dans le sens où elles font appel au caractère interactif de ce médium. Alors commençons par une astuce de mise en scène que vous connaissez tous, les jumpscares. C'est un procédé qui a la réputation d'être un peu grossier et inélégant, et a raison, puisque c'est très facile de faire un jumpscare sonore ou visuel à partir du moment où vous avez installé votre ambiance tendue, et qu'il faut savoir en user avec parcimonie pour que ça reste efficace plutôt que agaçant. La série Five Nights at Freddy's est à ma connaissance la championne toute catégorie du jumpscare, puisqu'elle fait reposer en grande partie son aspect horrifique sur la perspective d'en subir un particulièrement désagréable,
à chaque fois que vous vous faites attraper par un des animatroniques qui constituent les antagonistes principaux. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a de spécifique aux jeux vidéo? Il y a des jumpscares partout dans le cinéma d'horreur. Oui, mais la différence est que dans un jeu, il est possible de lier le jumpscare aux actions du joueur. Et ça change tout. Par exemple, dans FNAF 4, chaque fois que vous ouvrez une des portes de la chambre pour vérifier qu'aucun animatronique ne se trouve dans le couloir, vous devez d'abord écouter brièvement pour essayer de percevoir un son de respiration. S'il y en a un, vous devez fermer la porte et laisser passer le monstre. S'il n'y en a pas, vous devez allumer la lampe torche pour ralentir son approche. Si jamais vous vous trompez de réaction, l'animatronique vous chope et vous scie les oreilles avec son jumpscare dont le volume est habilement placé deux fois trop haut pour maximiser son caractère désagréable. Vous êtes donc directement responsable de ce résultat par votre erreur, et plus vous jouez à FNAF 4, plus vous serrez les fesses en écoutant aux portes par réaction pavlovienne à toutes les fois où vous vous êtes trompé, et plus vous vous chiez dessus au moment de cliquer pour allumer la lampe. De manière générale, pour les jumpscares plus basiques comme les fameux chiens de Resident Evil qui fonctionnent sur l'activation d'un script quand vous passez une certaine zone, eh ben c'est quand même le fait d'avoir pressé le bouton haut sur la croix directionnelle qui l'a déclenché. Donc les jumpscares peuvent être considérés comme des obstacles générés par le jeu en réponse aux tentatives du joueur de progresser vers son objectif, comme des agressions dirigées non pas contre le personnage que ce joueur incarne, qui bien généralement s'en cogne complètement qu'un téléphone se mette à sonner quand il passe à côté ou qu'une porte claque. So let's get going back, shall we? What? Mais bien contre le joueur lui-même, dans le but de l'effrayer, au point qu'ils doivent mobiliser de la volonté pour continuer à progresser. Ensuite, nous avons la gestion de ressources limitées. Nos cerveaux d'écureuils ne peuvent pas s'empêcher de paniquer à la perspective de passer l'hiver sans munitions de magnum ni trousse de soins, et demander au joueur de jongler entre l'économie de ses ressources pour voir venir les problèmes à long terme et l'usage de ses ressources pour triompher des obstacles à court terme est un excellent moyen de générer au minimum du stress, si ce n'est de l'angoisse en fonction de votre personnalité. La grande championne de cette technique, c'est bien sûr la série Resident Evil dans ses premiers épisodes, où tout est une ressource nécessitant d'être considérée avec précaution. Les munitions, bien sûr, mais aussi le PV de votre personnage et les herbes de soins, les places dans l'inventaire, l'essence pour brûler les corps de zombies, et jusqu'aux utilisations des points de sauvegarde. Cette technique est si efficace pour impliquer le joueur sur différentes échelles temporelles qu'elle est reprise dans la grande majorité des survival horror, et même dans des jeux qui ne trempent que le bout du pied dans ce genre, comme Half-Life ou The Last of Us. Ensuite, il y a la vulnérabilité du personnage. Dans la plupart des genres, le personnage que vous incarnez a une barre de vie ou quelque chose d'équivalent qui représente votre marge d'erreur entre un état où tout va bien et un état d'échec où vous êtes mort. Marge d'erreur dans laquelle vous pouvez évoluer en prenant des dégâts ou en vous soignant d'une manière ou d'une autre. Dans la plupart des jeux d'horreur, vous pouvez jeter ça à la poubelle. Votre avatar affronte des forces qui le dépassent et qui vont lui pulvériser sa race au moindre contact. Et même dans les rares cas où une marge d'erreur existe, elle est faible. Mais la sensation de vulnérabilité, ça ne passe pas que par la perspective de mourir facilement. C'est aussi le fait d'avoir un champ de vision réduit, d'où l'usage fréquent de la première personne ou d'angle de caméra spécifique dans les jeux d'horreur, ou alors l'usage d'une lampe torche qui n'éclaire qu'une petite partie de l'écran. C'est le fait de se déplacer lentement et sans possibilité de se soustraire facilement au danger, d'où l'absence de bouton d'esquive dans Resident Evil qui donnerait un peu trop de pouvoir d'action aux joueurs. Et c'est aussi des restrictions sur les moments et la manière avec laquelle vous pouvez sauvegarder, une action qui est très sécurisante. Le grand champion de la vulnérabilité du personnage, c'est Alien Isolation, où non seulement l'alien se précipite vers vous et vous tue instantanément dès qu'il vous voit, sans possibilité de lui échapper ou de le repousser avant tard dans le jeu, et encore, c'est un lance-flammes qui consomme du carburant limité, mais en plus, les sauvegardes sont restreintes à des points précis, et plutôt espacés, et nécessitent de rester vulnérable, immobile et exposé pendant plusieurs longues secondes. Et puis enfin, nous avons une technique qui est un petit peu plus complexe à décrire, et que je vais appeler l'incertitude concernant les systèmes en place. Pour faire simple, si vous ne comprenez pas comment les choses marchent, vous allez flipper. L'inconnu est certainement la plus grande source de peur pour l'esprit humain, et entretenir volontairement du flou autour du fonctionnement de certains systèmes est une manière extrêmement efficace de s'assurer que le joueur change de pantalon toutes les 5 minutes. Reprenons Resident Evil et Alien, qui ont tous les deux bien compris ça. Dans le remake de Resident Evil 1, abattre un zombie n'est pas un processus pépère. Parfois 3 balles suffisent, parfois même après 2 chargeurs, le salopard avance toujours. Parfois sa tête éclate, parfois elle tombe et se relève quand même. Le joueur a l'impression qu'il n'y a pas de règles fixes et que chaque zombie a son propre fonctionnement. Alors qu'il y en a ! Des questions de statistiques pour chacun des effets possibles. Mais en l'absence de vraie compréhension de ce système, le joueur va se montrer extrêmement prudent. De la même manière, les zombies abattus et laissés en plan finissent par devenir des Crimson Heads, une version plus rapide et plus agressive après une durée qui se trouve être aléatoire, et là aussi le joueur ne peut pas anticiper et exploiter facilement le mécanisme derrière ce système, et en constatant son existence, il va se mettre à brûler tous les corps comme un maniaque jusqu'à ne plus avoir de carburant.
Dans Alien, c'est le fonctionnement de cet antagoniste principal qui suit des règles partiellement aléatoires, de manière à ce qu'il soit très difficile d'anticiper son comportement, et que le joueur soit constamment confronté à un obstacle qu'il ne comprend pas complètement. Dans tous ces exemples, une fois que le fonctionnement du système complexe est compris, que ce soit par l'expérimentation interne au jeu ou avec l'aide de ressources extérieures comme des guides ou des wikis, le rapport à la dimension horrifique change complètement puisque par sa simple connaissance, le joueur est maintenant en contrôle. Il peut par exemple foncer sans peur droit sur un zombie, soutenu par la certitude qu'un tir de fusil à pompe relevé à bout portant a quelque chose comme 75% de chance de lui exploser la tête. Mais ce renversement de dynamique n'est pas forcément une mauvaise chose, comme un tour de magie qui perd son éclat une fois qu'il est expliqué. Ça peut aussi être quelque chose que le genre horreur peut exploiter, en l'intégrant à son scénario, à son propos, et à l'expérience qu'il cherche à vous faire vivre. Comme vous pouvez le constater au caractère limité de mon ensemble d'exemples, mon expérience des jeux d'horreur n'est pas vaste, et je manque complètement de culture concernant des classiques comme les Silent Hill ou Dead Space. On peut expliquer ce manque d'expérience par le fait que je sois une méga flippette, et que j'ai besoin de la compagnie de gens moins stressés que moi pour progresser sérieusement dans un jeu d'horreur. Cela étant dit, le sommet du genre dans cette expérience limitée que j'en ai, n'est pas une grosse série à la Resident Evil, ou même une production plus de niche mais quand même renommée comme FNAF, mais bien le petit jeu indé quasiment inconnu dont il est question dans l'épisode d'aujourd'hui, justement pour son usage exemplaire de toutes les techniques qu'on vient d'exposer, et en particulier la dernière d'entre elles, l'incertitude concernant le fonctionnement des systèmes. Après cette longue digression, nous en venons donc à notre sujet du jour, SCP Containment Breach. On va commencer par expliquer un peu ce que c'est que cet univers SCP que Containment Breach prétend adapter en jeu vidéo. Il s'agit d'un univers étendu fictionnel basé principalement sur un site d'écriture collaborative, le site de la fondation SCP auquel vous pouvez accéder depuis votre moteur de recherche préféré en tapant SCP et en sélectionnant le premier résultat. Le site lui-même est bel et bien réel, mais la fondation SCP, elle, est fictionnelle. Il s'agirait d'une organisation secrète et paramilitaire chargée d'identifier, de sécuriser et dans certains cas d'éliminer toutes sortes de phénomènes, objets et êtres paranormaux, d'où les initiales SCP, qui signifie Secure, Contain, Protect, mais qui désigne également les phénomènes slash objets slash êtres en question, auxquels sont également associés des nombres. On parlera par exemple beaucoup dans cette vidéo du SCP-173. Les écrits présents sur ce site, qui forment la base de cet univers, sont pour la plupart présentés sous la forme de rapports intradiégétiques, expliquant les caractéristiques propres d'un SCP et les mesures mises en œuvre pour le sécuriser, dans un style clinique et factuel, laissant beaucoup de marge d'interprétation au lecteur. Le projet ayant commencé en 2006, après plus de 16 ans de contributions régulières par plusieurs dizaines si ce n'est centaines d'auteurs, le site dénombre maintenant près de 8000 rapports, décrivant chacun un SCP. Nous sommes donc en présence d'un univers étendu d'une taille et d'une profondeur dont il est difficile de prendre la mesure, que des milliers d'heures ne suffisent pas à explorer entièrement, qui continue de croître, et que bien sûr nous n'allons pouvoir que survoler de très loin dans cette partie. Cependant, si vous voulez un aperçu plus exhaustif et mieux narré de cet univers, je vous recommande très chaudement la vidéo de Alt236 sur le sujet, qui est à mon humble avis une de ses meilleures productions, et pour laquelle vous trouverez un lien dans la description. Le cœur de l'intérêt de cet univers, ce sont évidemment les SCP eux-mêmes, et les rapports qui les décrivent. Les auteurs qui leur ont donné naissance ont fait preuve d'une créativité impressionnante pour nous proposer des créatures, des objets ou des phénomènes, dans certains cas perturbants, dans d'autres cas fascinants, dans d'autres cas encore terrifiants, et je vais prendre le temps d'illustrer ça avec quelques exemples autant que possible tirés de la sélection intégrée à Containment Breach, pour pouvoir vous montrer autre chose que des pages de texte. Les SCP les plus basiques sont certainement les créatures, qui présentent diverses propriétés surnaturelles. SCP-096, surnommé l'homme timide, est l'un d'entre eux. Il s'agit d'un humanoïde, sentient mais pas intelligent, docile, jusqu'à ce que quelqu'un pose les yeux sur son visage, que ce soit directement ou à travers une caméra de surveillance, ou même par le biais d'une photo ou d'un enregistrement. Aussitôt que quelqu'un a aperçu ses traits, l'homme timide se met à gémir et après une ou deux minutes, il partira en chasse de la personne en question. Ni la distance, ni les obstacles ne peuvent apparemment protéger la victime de l'homme timide, qui pourra mobiliser une force, une résistance et une agilité surnaturelles pour atteindre sa cible et l'éliminer dans une violence extrême. Depuis sa capture, SCP-096 est gardé enfermé sur un site de la Fondation, dans un cube hermétique dépourvu de caméra, et bien sûr, dans le contexte du jeu, il s'en échappe et fait office de danger mobile qu'il ne faut surtout pas regarder en face. Deuxième exemple, SCP-372 est une créature animale et entre guillemets invisible, car elle a la capacité de se déplacer dans les angles morts de la vision humaine, que ce soit hors du champ de vision ou dans les tâches aveugles, et de prévoir les mouvements des yeux en percevant les signaux électriques qui traversent les nerfs.
Elle est enfermée dans une cage de plexiglas et en permanence suivie par des caméras infrarouges, et vous pouvez la libérer dans le jeu en ouvrant cette cage sans vous rendre compte qu'elle contient quelque chose. La créature n'est pas hostile, mais à partir du moment où elle est libérée, vous pourrez parfois l'apercevoir fugitivement tandis que vous tournez la caméra, ce qui dans un jeu d'horreur a de quoi causer quelques sursauts. Soit dit en passant, le concept ressemble étrangement à celui des Furtifs de Alain Damasio dans son roman d'anticipation du même nom sorti en 2019, et on peut se demander s'il n'y aurait pas eu inspiration, possiblement indirecte. On monte d'un cran en créativité avec des SCP qui sont des objets aux propriétés elles aussi surnaturelles, mais testables et reproductibles. Le SCP-205 est une paire de projecteurs qui, quand ils sont ensemble et laissés allumés, projettent sur toute surface blanche l'ombre d'une femme qui suit tout un scénario sur une période de 6 mois, qui dégénère peu à peu pour se finir sur sa mort aux mains de silhouettes cornues, avant que le cycle ne redémarre. C'est déjà suffisamment flippant, mais en plus de ça, ce SCP présente un danger pour les expérimentateurs, car si quelqu'un se trouve dans la pièce durant ces derniers instants, le cycle est interrompu, les ombres cornues se détournent de leur victime, et s'en prennent à la place à tout autre humain à leur portée. Le caractère à la fois systématique, conscient, et pourtant apparemment dépourvu de sens ou d'intention de ce SCP, est un formidable moteur de malaise, typique d'un grand nombre de SCP catalogués sur le site, qui sont à la fois accessibles à la méthode scientifique, et imperméable à la raison humaine. Le SCP-914 est une grande machine d'origine inconnue avec une entrée et une sortie qui a pour fonction de transformer un objet qui lui est donné en autre chose. 5 réglages existent. Coarse, Rough, 1.1, Fine et Very Fine. Le réglage Coarse désassemble systématiquement l'objet donné en entrée. Le réglage Rough le dégrade et transforme par exemple Sif en Sif 4. Le réglage 1.1 le transforme en quelque chose de proche, par exemple une souris blanche en souris grise, et les réglages Fine et Very Fine améliorent respectivement un peu et beaucoup l'objet donné selon des critères qui ne sont pas forcément ceux de l'expérimentateur, transformant par exemple un caillou en pierre précieuse, ou Bernard Arnault en un être humain. L'effet de cette machine sur des organismes vivants est évidemment aussi néfaste qu'on peut l'imaginer, et dans le jeu vous pouvez vous soumettre vous-même à ce processus de transformation qui, quel que soit le réglage, a des effets très peu souhaitables. Coarse et Rough vous tuent, 1.1 inverse vos contrôles, et Fine et Very Fine semblent à première vue améliorer votre vitesse de déplacement et votre endurance, mais causent surtout un arrêt cardiaque après quelques dizaines de secondes. Malgré ça, les propriétés de la machine la rendent très utile, et on verra plus loin en quoi. Le SCP-426 est un simple grille-pain, mais cette apparence inoffensive est trompeuse car il s'agit d'un des nombreux et fascinants objets capables d'influencer la conscience humaine. La propriété paranormale de ce grille-pain est que toute personne dans un certain rayon d'action autour de lui se met à s'y référer à la première personne du singulier, sans même s'en rendre compte, et à s'y identifier jusqu'à finalement se prendre pour un grille-pain, avec toutes les conséquences plus ou moins macabres que cela implique. Le rapport qui décrit le SCP-426 est lui aussi écrit à la première personne, ce qui lui donne un cachet particulier, et c'est le genre d'idée extrêmement créative qui exploite à fond le format des rapports écrits. Et puis nous avons les phénomènes, souvent impossibles à contenir si ce n'est à comprendre, qui joue avec les lois de la réalité et dont le simple principe est extrêmement perturbant. Le SCP-970 est un phénomène de répétition spatiale qui peut subvenir n'importe où et semble se répliquer autour de ses manifestations précédentes. Un ensemble de pièces affectées par ce phénomène va boucler sur lui-même en dépit de toutes les lois de la physique que ça contredit, et ce SCP est présent dans le jeu sous la forme d'un couloir avec deux pièces latérales qui se répètent à l'infini. Et comme si ce n'était pas assez perturbant, des déviations dans la réalité reproduite finissent par survenir après plusieurs dizaines ou centaines d'itérations, comme si les pièces visitées provenaient d'univers parallèles qui ne différaient d'une autre que par des détails infimes, la couleur d'une cravate, la taille d'un grain de beauté, la marque d'une paire de chaussures. Mais plus on s'éloigne de la réalité initiale, plus ces divergences s'intensifient pour aller vers quelque chose de morbide, voire de cataclysmique, du sang sur les murs, ou des altérations physiques horribles aux êtres humains présents dans ces pièces. Et comme dernier exemple, nous avons le SCP-055, un secret qui se préserve de lui-même. Il est présent physiquement sur un site de la Fondation, gardé dans une chambre de confinement, on peut y accéder, le voir, le toucher, le photographier, le décrire verbalement, mais toute information le concernant disparaît instantanément des esprits humains qui ne gardent aucune trace du SCP-055 dans leur mémoire. La rédaction du rapport a évidemment été plutôt compliquée, et elle s'appuie beaucoup sur l'usage du négatif, car il est possible dans une certaine mesure de se rappeler de ce que le SCP-055 n'est pas, par exemple qu'il n'est pas carré, et de là de se rappeler au moins qu'il existe. Tous ces exemples pour dire que les idées développées sur ce site vont loin, parfois même très loin, et si vous en voulez une dernière louchette, je vous encourage à aller trouver le rapport du SCP-3999 et à bien vous accrocher parce que son concept le rend difficile à lire, et encore plus à expliquer. La contrainte de respecter un format précis, celui du rapport scientifique factuel, est beaucoup moins limitante qu'on pourrait le croire,
et présente même plusieurs avantages, dont les meilleurs écrits savent tirer parti. Certains passages peuvent être censurés pour laisser le fonctionnement exact du SCP à la discrétion de l'imagination du lecteur. Par exemple, ce que fait l'homme timide à ses victimes pour les tuer est censuré dans le rapport. On sait juste qu'il ne reste ensuite aucune trace du corps. Un esprit cartésien comme le mien va tout de suite imaginer que l'homme timide les dévore, mais si vous avez une imagination plus débridée, ou plus tordue, vous n'y lirez peut-être pas la même chose. Cela permet aussi tout plein d'exercices de style autour du format du rapport, et même de la page internet qu'il contient, avec par exemple tout le processus pour accéder au SCP-001. Et puis il y a toujours la possibilité d'ajouter au rapport des images, des extraits d'interviews fictives, ou des comptes rendus de tests pour développer différemment le SCP dont il est question. Disons-le clairement, je suis en admiration complète devant ce que le site de la Fondation SCP est arrivé à construire à partir d'un format aussi simple, et aussi facile d'accès, tant pour les lecteurs que pour les contributeurs. Et j'évite d'ailleurs de trop aller sur ce site parce que je sais qu'à chaque fois je finis par cliquer sur des rapports au hasard et passer mon après-midi à les lire. L'autre propriété très particulière de cet ensemble d'écrits, c'est d'être collaboratif, sans quoi il n'aurait jamais pu atteindre un tel volume. C'est à la fois une bonne chose, car ça permet de faire intervenir des compétences et styles d'écriture divers qui se renforcent les uns les autres, et un risque pour la cohérence globale de l'ensemble, parce que bien sûr tous les auteurs de rapports n'abordent pas leur rédaction avec la même mentalité. Certains veulent faire de l'horreur, d'autres du fantastique, d'autres sont plus intéressés par l'aspect complotiste de la Fondation elle-même et de ses rouages internes, d'autres encore sont là pour détourner les codes et faire de l'humour, et on trouve un certain nombre de rapports un peu second degré, comme celui du SCP-3008 qui est un magasin Ikea plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur dans lequel tous ses clients se sont perdus et ont développé leur propre civilisation. Certains auteurs qui, à mon humble avis, manquent un peu de maturité, essayent de se montrer plus intéressants que tous les autres en inventant non pas un SCP modeste aux propriétés curieuses et perturbantes, qui s'inscrirait bien dans cet univers, mais LE SCP pour enterrer tous les SCP, ultimement dangereux ou ultimement puissants. Mention spéciale à l'auteur du rapport SCP-343 qui est rien de moins que Dieu, omnipotent et omniscient, et affable en plus de ça, disposé à taper la discute avec les chercheurs et à se soumettre à tout type de tests. Ah bah bravo gros malin, sympa pour les autres qui vont devoir rédiger des trucs dans un univers où ce SCP existe et est canon maintenant. De manière générale, des efforts sont quand même faits, probablement au niveau de l'équipe d'édition du site, pour garder un ton, un univers, un jargon technique et un fonctionnement de la Fondation qui se tiennent. Et on peut leur tirer notre chapeau parce que ça n'a pas l'air d'être une mince affaire. Le plus important cependant, c'est la chose suivante. Il y a une philosophie globale qui se dégage de cet ensemble de textes. Certes, on traite de paranormal, mais on le fait avec les outils, le langage et les ressources de la science, avec la certitude que l'intellect humain va arriver non seulement à comprendre le fonctionnement de ces SCP par l'expérimentation et la documentation, mais également à les dominer, à les enfermer ou à les exploiter. Du fait de cette approche scientifique, le genre littéraire dans lequel se classe le site de la Fondation dans son ensemble est celui, plutôt de niche, de la nouvelle bizarre, et pas de l'horreur. Retenez ceci pour plus tard, car c'est un point qui n'est pas ignoré dans le design de Containment Breach. À partir de cette base de quelques milliers de rapports, l'univers de la Fondation SCP a été étendu à d'autres formats. On dénombre donc sur le site un paquet de nouvelles prenant place dans ce cadre, mais aussi en dehors du site une série de light novels japonaises, une bande dessinée, un roman, et même une pièce de théâtre qui a été jouée sur une scène à Dublin en 2014. Il y a également des branches du site dans divers pays avec leurs propres rapports, dans leur propre langue, avec leur propre numérotation. Et puis bien sûr, cet univers hurle pour qu'on l'adapte en jeu vidéo, et c'est quelque chose qui a été fait à plusieurs reprises, à divers degrés d'ambition et, il faut bien le dire, de réussite. D'ailleurs, vous n'avez qu'à taper SCP dans la barre de recherche de Steam pour vous retrouver avec une grosse cinquantaine de résultats, pour la plupart oubliables. Parmi eux, nous avons des productions assez classiques comme SCP Pandemic, qui est actuellement en accès anticipé et qui se présente comme un FPS à papa. Le récent SCP Secret Files, qui est une fiction interactive épisodique, ou encore SCP Strategy, qui est un jeu de gestion vous plaçant aux commandes de la Fondation elle-même. Il y a des jeux en réalité virtuelle, des free-to-play multijoueurs, et du plus bizarre que ça, comme un dating simulator de SCP. Oui ? Il faut aussi mentionner Control, qui est un jeu d'action à gros budget développé par Remedy Entertainment et sorti en 2019, qui ne se déroule pas littéralement dans l'univers de la Fondation SCP, mais qui en est inspiré ouvertement. Mais la majeure partie de ces adaptations restent des productions indées à l'ambition modeste, qui se concentrent sur un SCP spécifique. A ce titre, il faut évoquer SCP-087, qui a été la première adaptation de cet univers en jeu vidéo, en 2012, et qui vous propose de descendre le SCP-087, qui se présente comme un escalier infini et ténébreux, dans lequel vous subissez divers jumpscares et finissez par vous faire agresser par un visage flottant qui met fin à la partie. C'est donc un jeu d'horreur, dont la proposition ludique est de vous faire expérimenter par le biais de l'interactivité d'un jeu les caractéristiques de ce SCP décrites dans son rapport sur le site. C'est presque un exercice de style,
ou une idée de game jam, mais il a eu son petit succès, surtout auprès de youtubeurs en quête de sensations fortes et de leur public. Et c'est ce succès qui a convaincu Jonas Räikkönen de se lancer dans la conception de Containment Breach, qui a donc lui aussi été un des premiers jeux adaptés de l'univers SCP, mais qui, contrairement à l'Escalier Infini, reste fréquemment cité comme un des plus réussis, et qui a gagné en contenu et en stabilité au fil des années, grâce aux ajouts progressifs de la communauté. Le contexte de Containment Breach est donc le suivant. Vous jouez un personnel de classe D, un sujet de test à qui sont confiées les tâches ingrates qui demandent d'entrer en contact avec des SCP dangereux, tandis qu'une défaillance de sécurité cause la rupture de confinement de plusieurs SCP très dangereux contenus sur ce site. Vous allez donc essayer de fuir le complexe, malgré le verrouillage de tous ses accès, et surtout malgré les SCP mortels qui traînent maintenant dans ses couloirs. Le jeu inclut en effet une liste très respectable de SCP tirés du site, une petite cinquantaine dans la Ultimate Edition qui est celle disponible sur Steam, la grande majorité d'entre eux faisant office d'obstacle à votre progression. Et ce sont eux, les stars du spectacle. Certains ont un rôle d'antagoniste de premier clan et vont vous SCPter les couilles tout le long du jeu. D'autres font juste de la figuration et vous êtes encouragé à aller interagir avec eux pour voir adapté à l'écran leur fonctionnement parfois bien tordu décrit dans leur rapport. Le tout présente des contrôles à la première personne basique et fait appel à des capacités de prise de décision rapide en situation de stress, de gestion d'un inventaire limité et d'orientation. Et on en voit la fin en une dizaine d'heures si nos nerfs tiennent le coup jusque-là. Bon, le contexte étant posé, parlons maintenant de ce qui fait de Containment Breach un excellent jeu d'horreur. De premier abord, on peut déjà dire que Containment Breach coche beaucoup des cases qu'on a listées en première partie concernant les ressorts horrifiques dans le jeu vidéo. Visuel perturbant, check. Les créatures sont grotesques, la vision de votre personnage se trouble et se déforme sous l'effet de la folie quand vous êtes exposé de trop près à un SCP hostile, et le complexe est plongé dans les ténèbres, à un point qui d'ailleurs est complètement excessif, et fait passer Sif pour une rando sur la Côte d'Azur. Je comprends l'intention derrière ce choix qui est de créer une ambiance de l'insécurité et de la tension, mais son exécution est grossière. Les ténèbres sont si intenses que vous allez avoir du mal à voir ce qui se trouve sous votre pif, et encore plus les contours de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, et que vous pouvez très bien passer à côté d'un danger immédiat parce qu'il est trop dans l'ombre. Je recommande fortement de monter le gamma au maximum, quitte à devoir temporairement le rebaisser pour pouvoir lire des documents, et même ainsi je trouve quand même le jeu trop sombre, donc on est là sur un vrai problème de direction artistique, lié au caractère amateur du projet. Ce qui ne fait pas amateur par contre, c'est l'audio. Vous serez constamment accompagné par des musiques d'ambiance discrètes et atmosphériques, et harcelé par tous les bruits du complexe, des sons métalliques distants, des hurlements lointains, des radios qui s'allument brusquement, tous propices à vous faire sursauter, en particulier quand vous devez rester à l'affût de sons qui indiquent la proximité de certains SCP hostiles. À ça viennent s'ajouter les bruits que vous causez en marchant, en courant, en ouvrant les portes, qui sont également de qualité, et un paquet de doublages pour toutes sortes d'humains ou d'entités capables de communiquer. Malheureusement, ils ne bénéficient pas de sous-titres, et sont parfois difficilement compréhensibles, même avec un bon niveau d'anglais, et le fait que les informations qu'ils donnent peuvent revêtir une importance critique n'arrange rien. Vulnérabilité du personnage, check. Le classe D que vous incarnez a beau être vraisemblablement un criminel endurci, il ne vaut pas un euro post-inflation face à toutes les menaces surnaturelles qui habitent le complexe, et va généralement mourir par simple contact avec la plupart d'entre elles, et même avec les quelques humains que vous croiserez sur la fin. Effleuré par un des SCP qui vous court après? Dead. Vous avez gardé les yeux sur un écran trop longtemps? Arrêt cardiaque. Aperçu par un soldat de la Fondation? Headshot instantané. Parfois, vous allez mourir en un claquement de doigts, alors que vous vous baladiez tranquillement, sans en comprendre la raison. Par exemple, j'ai mis longtemps à comprendre que quand je mourais gratuitement au milieu d'un couloir à cause d'oreilles qui se mettaient à pousser sur et dans mon corps, miam, c'était à cause de cette petite merde quasiment invisible qui peut spawner dans certains couloirs, qui nous attaque à vue avec cet effet bizarre, et à côté de laquelle il faut sprinter si on veut survivre. Plus loin dans le jeu, vous serez stalké et agressé par des créatures invisibles, qui ne sont révélées que par l'usage de lunettes de vision nocturne, ce qui a de quoi vous faire péter un câble tant que vous ne l'avez pas compris. La vulnérabilité de votre avatar, c'est aussi sa vitesse de déplacement, lente par défaut, et sa capacité à sprinter limitée par une barre d'endurance, et l'absence totale d'armes dans l'entièreté du jeu. Vous ne pourrez jamais faire mieux que fuir et vous cacher face à toutes les menaces auxquelles vous serez confronté. C'est également, selon le mode de difficulté, des sauvegardes qui peuvent être limitées à des endroits précis, voire même complètement interdites en difficulté élevée, et dans tous les cas au minimum restreintes à un seul fichier. Si vous sauvegardez dans une situation inextricable, c'est cuit. Et puis surtout, incertitude concernant les systèmes en place, check, double check et triple check.
Dans cette partie, je vais uniquement décrire quelles sont ces sources d'incertitude, et l'explication concernant leur fonctionnement viendra dans la partie suivante. De sorte que si cette vidéo vous donne envie d'essayer Containment Breach par vous-même, vous pourrez vous éjecter à la fin de cette partie et expérimenter sa courbe d'apprentissage avec un taux de spoil minimal. Le plus flagrant de ces systèmes obscurs, c'est le SCP-173 qui tient le rôle d'antagoniste principal. L'introduction consiste en un tutoriel organique durant lequel vous apprenez dans la douleur son fonctionnement. Le SCP-173 est une statue immobile tant qu'elle se trouve dans le champ de vision d'une créature consciente, mais animée, extrêmement rapide et hostile dès que plus personne ne la regarde. La fraction de seconde pendant laquelle elle est soustraite à votre regard, lorsque vous clignez des yeux, lui suffit pour parcourir une dizaine de mètres, et si elle vous atteint, elle vous brise instantanément la nuque. Pour cette raison, Containment Breach est le seul jeu à ma connaissance qui inclut le clignement d'yeux comme mécanique centrale. Votre personnage doit cligner des yeux à intervalles réguliers, et c'est traduit par cette barre en bas de l'écran, qui déclenche le clignement dès qu'elle est vide. Certaines circonstances, comme la présence de gaz ou l'ingestion de certains produits, peuvent augmenter ou réduire la vitesse à laquelle cette barre se vide, et vous pouvez aussi déclencher manuellement le clignement en appuyant sur espace, et même garder les yeux fermés en gardant la touche enfoncée, ce qui peut avoir une utilité dans certaines situations, par exemple pour ne pas risquer d'apercevoir le visage de l'homme timide quand vous vous déplacez autour de lui. Si jamais vous devez cligner des yeux alors que 173 est à proximité, c'est la mort. Donc apprendre à surveiller et déclencher le clignement fait partie de la marge de maîtrise du jeu. Au passage, vous comprenez aussi maintenant d'où viennent ces coupures noires fréquentes sur mes captures, qui ne sont ni un problème d'affichage du jeu ni une couille au montage, mais bien une mécanique. Le rapport qui décrit 173 est le tout premier écrit à avoir été proposé dans cet univers, et en a posé beaucoup de bases. Et ce SCP reste un des plus populaires, partiellement grâce à son concept fascinant qui évoque étrangement les anges pleureurs de Doctor Who, au point qu'il s'agit probablement d'un plagiat, et partiellement grâce au rôle de premier plan qui lui est donné dans plusieurs adaptations de cet univers, à commencer par Containment Breach. L'introduction du jeu vous place dans la chambre de confinement de la statue avec deux autres classes D pour une opération de nettoyage banale, pendant laquelle au moins deux personnes doivent garder les yeux fixés sur elle à tout moment. C'est là que survient la défaillance de sécurité qui cause une panne de courant et un dysfonctionnement de la porte de la cellule, et le jeu met immédiatement en scène ce fonctionnement de 173, que vous avez lu sur un document quelques secondes plus tôt, en le faisant tuer un de vos compagnons à chaque fois que les lampes sautent. Si vous n'avez pas la présence d'esprit de sortir par la porte qui s'est rouverte et de vous éloigner à toute vitesse, vous êtes le prochain sur la liste, et je pense que la plupart des joueurs commencent par mourir ici, sans se rendre compte que le jeu a commencé. Mais au moins la dangerosité et les mécaniques fondamentales de 173 sont bien communiquées. À partir de là, cette statue va vous stalker durant presque toute la partie, et vous tombez dessus un peu partout au pire moment. Et même si vous comprenez superficiellement les règles qu'elle suit grâce à l'intro, il reste des zones d'ombre. Est-ce qu'elle peut ouvrir les portes? Comment se déplace-t-elle à travers le complexe? Est-ce qu'elle doit nous repérer avant de pouvoir nous attaquer? Est-ce que courir dans les couloirs fait du bruit et l'attire? Est-ce que cet effet de déformation de l'écran quand on se trouve près d'elle signifie qu'on prend des dégâts? Vous n'en savez rien, et tant que vous n'en savez rien, SCP-173 est un antagoniste terrifiant. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul antagoniste, il y en a au moins un autre qui va autant, si ce n'est plus encore, pourrir votre journée. SCP-106, surnommé le vieil homme. À un moment, alors que vous en êtes justement à vous dire que la statue se gère et que le jeu est peut-être bien faisable, ce charmant individu va décider de sortir du sol près de vous, accompagné par sa musique d'ambiance de fin du monde, et se mettre à vous poursuivre. Lui passe clairement à travers toutes les portes et tous les murs, et lorsqu'enfin il vous chope, il ne vous tue pas directement, mais vous envoie dans une dimension de poche dont il est très difficile de s'extraire. Donc vous mourrez comme une merde, vous rechargez la partie avant l'apparition du vieil homme en espérant de ne pas reproduire quoi que ce soit que vous avez fait et qui a déclenché sa venue, mais rebelote, il sort à nouveau du sol, vous chope, vous nique et fait du teabag avec votre cadavre. Ce SCP-106 est le plus gros obstacle du jeu, celui qui à mon avis aura fait abandonner le plus de joueurs, et il y a là aussi toute une courbe d'apprentissage pour parvenir à l'anticiper, lui échapper, savoir s'extraire de sa dimension de poche, et finalement l'éliminer. J'avoue sans honte avoir utilisé la console de développement intégrée au jeu pour le désactiver le temps de progresser jusqu'à un point où j'étais mieux équipé et davantage maître de mon environnement, parce que ce stalker apparemment inéluctable me terrorisait au point que l'épisode n'aurait probablement pas pu se faire sans ça. Ce n'est plus le cas maintenant, sur une nouvelle partie je serai capable de gérer le vieil homme dès sa première apparition, moyennant quelques recharges rapides pour embrouillage de doigts, grâce à la connaissance que j'ai accumulée et qui a levé le flou paralysant qui entourait cet élément de gameplay. Et puis, bien sûr, il y a tous les autres SCP du jeu que vous allez découvrir progressivement et qu'il va falloir comprendre et apprendre à négocier ou exploiter. SCP-049, le médecin de la peste, qui lui aussi vous tue par contact mais qui est plus restreint dans ses capacités de déplacement que le vieil homme. SCP-096, l'homme timide qui, une fois introduit, se baladera dans le complexe et que vous devrez bien prendre garde à ne jamais regarder de face. Les SCP-939 qui traînent dans les tunnels de stockage et qui vous attirent en imitant des voix humaines.
Les nombreux SCP statiques que vous devez aller trouver vous-même dans leur chambre de confinement et qui, dans beaucoup de cas, vous tuent. Comme le SCP-012 qui est une partition qui vous attire automatiquement à elle pour que vous en terminiez la rédaction avec votre sang jusqu'à ce que vous en mouriez. Ou le SCP-1025 qui est un livre de médecine qui cause chez son lecteur le mal décrit sur la page qu'il lit. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Arrêt cardiaque. D'autres SCP encore sont utiles, voire indispensables à la progression, et c'est pour les trouver eux que vous allez vous mettre en danger en examinant chaque SCP que vous croisez. On détaillera lesquels entrent dans cette catégorie et pourquoi dans la partie suivante, mais on peut déjà dire que la machine dont il était question plus haut en fait partie, et qu'il va falloir apprendre à tirer parti de ses propriétés. Pour vous aider, presque tous les SCP présents dans le jeu ont un document censé détailler leur procédure de confinement et leur nature. Dans beaucoup de cas, ça suffit à se faire une idée de si vous voulez en approcher ou pas. Mais souvent ce document est manquant ou se trouve loin du SCP, ou alors il ne communique pas suffisamment d'informations pour savoir à quoi s'en tenir. Par exemple, le SCP-207 est une bouteille de soda dont le contenu, une fois bu, est censé d'après son document faire office de caféine aux hormones, améliorant les performances physiques et supprimant le besoin de se reposer. Vous vous dites « Chouette, j'ai bien besoin de ça pour m'échapper d'ici », vous en buvez, vous repartez tout content avec vos jauges de clignement et d'endurance buffées, et quelques minutes plus tard, vous crevez d'hypertension, comme le premier étudiant en période de partiel venu. Enfin, la géographie de l'espace de jeu elle-même contribue à cette opacification générale tétanisante. Le complexe dont vous devez vous échapper est très vaste et labyrinthique, aucune carte détaillée n'existe in-game, seulement un appareil approximatif est compliqué à obtenir. Et vous n'en trouverez pas non plus en ligne, car à chaque lancement de partie, une nouvelle disposition des pièces est générée procéduralement à partir d'une seed, qui est une simple suite de caractères et que vous pouvez communiquer à quelqu'un si vous voulez qu'il ait la même carte que vous. Aucun panneau indicateur, aucune boussole ne vient faciliter l'orientation. Beaucoup de couloirs et d'embranchements sont identiques, parce que la génération procédurale pioche dans un ensemble de ressources limité. Cette génération procédurale ne fait quand même pas n'importe quoi. Il y a une structure globale à ce complexe qui reste la même de partie en partie, mais tant que vous ne l'aurez pas identifié, cet espace de jeu apparaîtra comme un putain de labyrinthe. Les différents niveaux de verrouillage des portes n'aident pas, parce que vous rencontrerez très fréquemment des portes que vous ne saurez pas ouvrir. Certaines qui demandent une carte d'accès d'un niveau que vous n'avez pas encore, certaines qui demandent d'entrer un digicode trouvé quelque part ailleurs sur un document, d'autres qui demandent une identification ADN de quelqu'un avec plus d'autorité que vous, et d'autres encore qui ne voudront pas s'ouvrir tant que vous n'aurez pas activé un levier quelque part dans une autre pièce. Et toutes ces mesures de sécurité, il va falloir trouver comment les déjouer pour progresser à travers le complexe. Alors résumons. Vous ne savez pas exactement comment fonctionnent les deux principales entités surnaturelles qui vous pourchassent, et ça vous rend absolument parano. Vous ne savez pas non plus exactement ce que font les 45 autres SCP présents dans le jeu, lesquels peuvent vous être utiles. Vous ne savez pas ce que vous devez faire pour vous échapper. En fait, vous n'êtes même pas sûr que vous pouvez vous échapper. Si ça se trouve, le principe du jeu est de vous enfermer avec des SCP jusqu'à ce qu'ils vous attrapent. Vous ne comprenez pas l'organisation spatiale du complexe, qui change à chaque nouvelle partie et qui vous noie sous les embranchements, les ascenseurs et les portes à revenir ouvrir plus tard. Et vous ne comprenez pas non plus comment vous pouvez franchir la plupart de ces portes fermées. Vous êtes harcelé par des trucs qui vous tuent littéralement en un clin d'œil, et qui vont se faire un plaisir de s'y prendre à plusieurs à la fois, limité à une seule sauvegarde dans le meilleur des cas, plongé dans des ténèbres qui vous empêchent de voir plus loin que le bout de vos dents qui claque, et si vous essayez de alt-tab pour aller poser une question à Google, votre ordi explose. L'ensemble peut facilement paraître impossible, tant les obstacles sont nombreux, violents et délicats à surmonter, et je dois avouer qu'avant de travailler sur Containment Breach dans le cadre de cette vidéo, je n'étais jamais arrivé à le finir. Alors est-ce que ça veut dire que le jeu est mal branlé, mal équilibré, trop difficile et injouable ? Non ! L'équilibrage de plusieurs mécaniques et SCP mériterait certainement d'être ajusté, par exemple la vitesse de marche du vieil homme qui pourrait facilement être réduite, mais je crois fermement que l'expérience qu'on a entre les mains est celle que Jonas Räikkönen voulait qu'on ait lorsqu'il a conçu le jeu. Une expérience qui va tourner non pas autour de la compétence mécanique, ni même de la chance pour tomber sur une map qui se ferait facilement, mais bien autour de la connaissance. Et pour acquérir celle-ci, de l'expérimentation. Ce n'est qu'en comprenant petit à petit les règles de fonctionnement exactes de tous ces éléments de gameplay que vous vous libérerez de la terreur qu'ils génèrent, et que vous pourrez aborder votre évasion avec la froideur intellectuelle qu'elle nécessite, comme un escape game plutôt qu'un train fantôme. C'est une démarche scientifique que vous êtes sommé d'adopter, qui fait évidemment écho à la philosophie de la Fondation elle-même, aborder le paranormal et l'horrifique comme quelque chose de certes inexplicable, mais de compréhensible, de catalogable et de maîtrisable. On va donc maintenant voir en quoi consiste le processus de résolution de cette situation complexe, autrement dit à quoi ressemble l'expérience de jeu de Containment Breach.
Commençons déjà par parler du système de sauvegarde, parce que c'est lui qui va vous permettre d'expérimenter avec ce que vous ne comprenez pas encore, et de faire des erreurs sans que ce soit trop punitif. Il dépend directement de la difficulté choisie. En difficulté Safe, vous pouvez sauvegarder à tout moment, mais dans un unique fichier. En difficulté Euclide, vous pouvez sauvegarder mais seulement à certains endroits. Et en difficulté Keter, vous ne pouvez pas sauvegarder du tout. Il va sans dire que ce dernier mode est à réserver à ceux qui ont déjà poncé Containment Breach et qui le maîtrisent sur le bout des doigts, parce que vous avez autant de chances de réussir une partie en aveugle sans mourir que dans I Wanna Be The Guy. Pour ma part, je recommande sans hésiter la difficulté Safe, jusqu'à avoir atteint au moins une fois la fin du jeu. Elle réduit également l'agressivité des principaux SCP, et croyez-moi, ce n'est pas du luxe, parce que dans aucun cas on ne peut qualifier Containment Breach de facile. Même la possibilité de sauvegarder à tout moment n'est pas une garantie de pouvoir mener sa partie à terme. Il est tout à fait possible de se placer sans le savoir dans une situation qui nous condamne à mort d'ici quelques minutes, de sauvegarder par-dessus, et de n'avoir ensuite plus que nos yeux pour pleurer. Par exemple, il y avait dans la première section une pièce labellisée Medbay. Espérant naïvement y trouver des objets type trousse de soins, j'ai mis le nez à l'intérieur pour me faire immédiatement attaquer par un zombie qui traînait au sol pour je ne sais quelle raison. Alors je fuis, je ferme la porte, je respire un bon coup, je sauvegarde et je repars vers de nouvelles aventures. Quelques minutes plus tard, un message s'affiche bien innocemment pour me dire que je me sens fiévreux. Il se trouve que le zombie m'a transmis le SCP-08 qui est à peu de choses près le virus T de Resident Evil, c'est-à-dire qu'il tue les personnes infectées et les transforme en zombies, et que j'étais désormais condamné à voir mon écran devenir de plus en plus rouge et à mourir à quelques minutes d'échéance. Alors il se trouve que je me suis sorti de cette situation parce que j'ai retrouvé dans mes notes l'emplacement du SCP-500, qui est une boîte de pilules de panacée qui peuvent, entre autres, guérir cette infection. Mais quelqu'un qui n'aurait pas eu accès à ce traitement aurait été obligé soit de recommencer une partie parce que sa sauvegarde était foutue, soit d'utiliser la console de développement pour supprimer cette affliction. Mais l'accessibilité de cette console est quelque chose que je peux difficilement prendre en compte quand je parle de ce game design, parce que c'est clairement une béquille externe au jeu. Bref, vous allez vraisemblablement devoir recommencer la partie du début une fois ou deux, même si vous sélectionnez la difficulté safe. Mais la fonction de cette mécanique de sauvegarde est de vous aider à éliminer petit à petit les facteurs inconnus, et à tâtonner en direction de la connaissance, jusqu'à avoir acquis une maîtrise intellectuelle du jeu qui vous permet théoriquement de le finir sans avoir besoin de sauvegarder. Alors, cette connaissance à acquérir, c'est quoi? Eh ben déjà, c'est comment est structuré le jeu, autrement dit comment marche la génération procédurale de la map. Une carte complète du complexe va toujours ressembler à quelque chose comme ça. Là, toutes les pièces ne sont pas représentées, mais on a au moins le squelette de l'espace de jeu. Vous vous dites certainement que ça vous fait une belle jambe, mais je vais expliquer et vous allez voir que c'est très structuré. Cette carte est séparée en trois zones, confinement léger, confinement strict, et entrée du complexe, que l'on traverse dans cet ordre, puisqu'on commence toujours dans la zone de confinement léger, et qui sont séparées par des pièces de transition qui nécessitent un processus complexe pour les déverrouiller. La zone de confinement léger et celle de confinement strict se présentent toujours sous la forme de deux longs couloirs, reliés par plusieurs couloirs plus petits et parsemés de salles, des cellules des SCP ou des entrepôts de stockage ou des pièces aux fonctions plus spécifiques comme la salle de surveillance, dont l'emplacement est randomisé à chaque essai, mais qui, dans l'ensemble, sont toujours les mêmes. L'entrée du complexe est plus petite, puisque c'est un seul couloir avec quelques-uns plus petits qui en partent, et c'est là qu'on trouve les deux portes de sortie de ce site de la Fondation derrière lesquelles il y a les fins du jeu. Comme on le disait plus haut, il y a un objet que vous pouvez trouver, le SNAB, qui vous aide en affichant une version simplifiée de la carte. Il demande des batteries qui descendent vite et n'affichent que les couloirs où vous êtes déjà allé, donc il n'aide pas beaucoup, mais il est possible de l'améliorer en le passant dans le SCP-914, en réglage Verify, ce que je n'ai pas pensé à faire dans cette partie, pour qu'il affiche toute la carte, et en bonus vous prévienne quand un SCP se trouve à proximité. Alternativement, vous pouvez faire votre propre carte sur un papier, comme dans un dungeon crawler des années 80. C'est ce que j'ai fait, voilà à quoi elle ressemble, et c'est seulement après avoir pris cette initiative que j'ai pu commencer à remarquer une structure globale, fixer des objectifs, et lister les SCP auxquels je pouvais m'attendre dans chaque section. Quand bien même on devrait tout recommencer suite à une sauvegarde malheureuse, les parties suivantes deviennent beaucoup plus simples, une fois fort de cette connaissance, parce qu'on peut extrapoler ce qu'on va trouver en allant dans telle ou telle direction, et on sait quelles pièces, dangers et éléments de gameplay on peut trouver dans chaque section. Ensuite, vous devez comprendre et retenir ce que le jeu attend que vous fassiez pour progresser vers la sortie, et en particulier passer les portes verrouillées. La première chose que vous devez faire est de vous procurer une carte d'accès de niveau 2, en explorant les pièces auxquelles vous avez accès dans la zone de départ. Et je dis bien de niveau 2, parce que celle de niveau 1 ne vous sera pas plus utile qu'une carte de membre de la CFDT. Même la carte de niveau 2 ne vous mènera pas bien loin, puisqu'en particulier elle ne permet pas d'ouvrir la plupart des pièces où sont enfermés des SCP. Mais c'est un début. Pour passer le checkpoint qui vous sépare de la section suivante, la zone de confinement strict, vous avez besoin d'une carte de niveau 3. Et pour déverrouiller l'accès à ce checkpoint, vous devez passer par la salle de surveillance qui demande aussi une carte de niveau 3. Et figure votre première rencontre scriptée avec SCP-049, une espèce de médecin de la peste
qui essaye de vous choper pour vous transformer en zombie. Mais pas de chance, il n'y a de passe niveau 3 nulle part dans cette première section, alors quid ? Et ben c'est là qu'il faut trouver et faire usage de la machine SCP-914, à laquelle on a accès avec notre carte de niveau 2, et qui peut la transformer en une carte de niveau 3, avec le réglage Fine. Et pas Very Fine, parce qu'apparemment la version très améliorée d'un pass de sécurité c'est un joker. Une fois dans la zone de confinement strict, vous devez commencer par trouver un pass de niveau 4 dans la cellule du médecin de la peste, avec qui vous aurez à l'occasion votre deuxième rencontre cryptée. Ce pass vous sert à ouvrir l'accès à l'enceinte de confinement du SCP-008, le fameux virus à la Resident Evil, que vous devez reconfiner pour déverrouiller le checkpoint vers la dernière section. Le pass niveau 4 vous sert aussi à accéder à la cellule du SCP-106, le vieil homme qui vous harcèle depuis des heures. Non seulement vous y trouvez la carte de niveau 5, qui permet de passer le checkpoint vers l'entrée du complexe, mais en plus vous avez l'occasion de vous débarrasser définitivement de cet empêcheur de s'évader en rond, en le recapturant, par le biais d'un processus franchement pas très Toltec, qui implique de broyer le fémur d'un prisonnier utilisé comme appât pour l'attirer dans sa cellule avant de réactiver son champ magnétique. Vous voilà donc enfin dans la dernière section du jeu, qui est certes la plus courte mais aussi la plus dangereuse, puisqu'à partir de maintenant, des soldats d'élite de la Fondation se baladent en bande dans les couloirs et canardent à vue sur tout ce qui bouge comme Tonton Roger à la chasse le dimanche. Et également, plus absconse, parce qu'autant tout ce qui a précédé se déroulait plutôt intuitivement, si on explorait à chaque fois tout l'espace qui nous était accessible avec le pass qu'on avait alors sur nous, autant cette dernière étape est à mon avis un peu trop tarabiscotée. Vous pouvez rejoindre directement les deux portes du complexe, mais elles sont verrouillées. Pour les ouvrir, vous allez devoir négocier avec le responsable de la faille de sécurité, le SCP-079, une intelligence artificielle stockée sur un Minitel dans la zone de confinement strict, à qui une tierce partie a permis de prendre le contrôle des systèmes automatisés de lumière et de portes. D'où l'incident au tout début du jeu. Sans en dire plus, le scénario qui a mené aux événements que vous vivez, le lore de Containment Breach si on veut, est plutôt cool et s'inscrit bien dans l'univers de la Fondation. Qui plus est, il est entièrement narré sous forme de notes à lire et de narration environnementale, ce qui encore une fois fait très sif et n'est pas pour me déplaire. SCP-079 donc vous empêche d'accéder à sa cellule en maintenant la porte fermée. Mais dans la dernière section, vous pouvez désactiver le contrôle à distance des portes, rendant l'IA impuissante. Il faut alors penser à retourner dans la section précédente pour pouvoir entrer dans la cellule de 079 maintenant qu'il ne peut plus vous en empêcher, et passer un marché avec lui. Vous réenclenchez le contrôle automatique des portes, et en échange, il vous déverrouille les sorties. Le problème ici, c'est que le joueur n'a jusque-là jamais eu besoin de faire du backtracking jusque dans la section précédente, et que ce n'est certainement pas quelque chose qu'il va s'amuser à essayer de faire avec des soldats qui patrouillent partout et qui nous pulvérisent si facilement. Ce ne serait pas embêtant si le joueur avait des moyens de comprendre ce scénario par lui-même, et d'intuiter qu'il est censé entrer en contact avec l'IA. Mais le seul indice concernant le rôle de 079 dans l'incident se trouve dans sa cellule elle-même, donc vous ne pouvez pas vous baser dessus pour décider de vous y rendre. C'est la dernière étape de résolution de ce grand escape game, et c'est la seule chose que je trouve vraiment contre-intuitive. Et c'est dommage. En dehors de toutes ces histoires de passes et de checkpoints à déverrouiller, il y a aussi quelques portes qui demandent une identification ADN pour lesquelles vous devez vous procurer la main coupée d'un chercheur, et des portes qui demandent un digicode que vous devez trouver quelque part et retenir. Mais à ma connaissance, passer ce type de porte n'est pas crucial pour la progression. Quand bien même ça le serait, vous pouvez trouver derrière une porte de niveau 4 en revenant dans la zone de confinement léger le SCP-005, qui est une clé universelle capable de contourner les digicodes et les scanners ADN, ce qui est bien utile dans cette dernière section. Bref, après toutes ces péripéties, vous pouvez enfin emprunter une des deux portes de sortie du complexe et avoir droit à une des quatre mauvaises fins du jeu. Elles sont toutes mauvaises. Ton perso il meurt dans tous les cas. Et puis enfin, le troisième champ de connaissances à acquérir pour devenir un pro de Containment Breach concerne les SCP eux-mêmes, et en particulier le fonctionnement des deux principaux, la statue et le vieil homme. Vous allez donc faire des tests et apprendre dans la douleur. Est-ce que la statue peut passer à travers les vitres pour vous atteindre? Oui, elle peut. Est-ce qu'elle doit vous avoir repéré pour pouvoir vous attaquer? Il semblerait bien que oui, puisque dans certaines circonstances, vous pouvez l'apercevoir, immobile ou en mouvement, sans qu'elle vous attaque. Mais alors quelle est la condition pour qu'elle vous repère? Champ de vision? Distance? Ah, visiblement c'est une question de distance. Est-ce qu'elle peut ouvrir les portes? Apparemment non. Mais alors comment se fait-il que vous la croisiez si souvent? Vous finissez par comprendre que 173 se déplace dans le complexe à travers les conduits d'aération, et peut donc spawn dans toutes les pièces qui présentent un accès à ce réseau. Ça inclut ces sas de sécurité dans lesquels vous devez atteindre la commande de la porte au fond d'un couloir et emprunter la dite porte dans la précipitation, parce que si 173 est là, vous n'avez que les 10 secondes qui séparent deux clignements d'yeux pour effectuer toute cette opération. A force de vous frotter à cette créature, vous développez des automatismes. Vous fermez les portes derrière vous pour l'empêcher d'évoluer à sa guise, vous clignez des yeux avant d'ouvrir les portes pour maximiser votre temps de réaction au cas où elle se trouverait derrière, vous apprenez à l'attirer dans une autre pièce que celle où vous avez besoin d'aller
en vous tenant à distance et en clignant sciemment des yeux pour pouvoir ensuite la contourner et lui fermer la porte au nez. Vous retenez les points de spawn où vous avez de grandes chances de la croiser, et dans la dernière section, vous la menez droit entre les mains des soldats qui vont la recapturer pour vous. Vient alors un moment où ce SCP-173 n'est plus perçu comme une source d'horreur, mais juste comme une mécanique de jeu. Et plus encore que quand vous atteignez la sortie du complexe, c'est à ce moment-là que vous avez triomphé de Containment Breach. Un processus similaire se déroule avec le vieil homme. Passé ses premières apparitions où vous fuyez dans la panique et finissez pris en étau par la statue ou coincé dans un cul-de-sac et envoyé pourrir dans sa dimension parallèle, vous réalisez que sa venue n'est pas une condamnation à mort, et que là aussi il y a des moyens de le gérer. Le plus évident est de fuir dans une partie de la carte que vous connaissez pour éviter les mauvaises surprises, et les impasses, et après quelques minutes il disparaîtra à nouveau. Mais ce n'est pas le seul moyen de survivre à une rencontre avec le vieil homme, vous pouvez aussi utiliser le SCP-1499, qui est un masque à gaz qui vous transporte dans une dimension parallèle dès que vous l'enfilez, certes légèrement mal famé, mais dans laquelle 106 ne peut pas vous suivre, et il repart donc boudé dans le sol. Vous pouvez l'attirer à travers une des rares portes Tesla que comporte le complexe, et ça le fera instantanément battre en retraite. Et puis, il est possible d'apprendre à s'échapper de la dimension de poche dans laquelle il vous envoie. Le processus est à rabiscoter, mais toujours le même, et quand vous y êtes arrivé une fois, vous avez de bonnes chances d'y arriver les suivantes. Vous devez également comprendre ce qui cause l'apparition du vieil homme. Est-ce qu'il y a des pièces où vous ne devez pas passer? Est-ce qu'il y a des choses précises que vous ne devez pas faire? En dehors d'une certaine apparition scriptée dans les tunnels de maintenance, rien de tout ça, c'est complètement du hasard. Au début du jeu et à chaque fois que 106 retourne dans sa dimension de poche, un compte à rebours est lancé, dont la durée varie, mais tourne autour d'une quinzaine de minutes. Et quand ce compte à rebours est terminé, il sort du sol près de vous. Enfin, à force d'explorer, vous finissez par découvrir la cellule de 106 dans laquelle vous pouvez réaliser la procédure de reconfinement mentionnée tout à l'heure, ce qui vous débarrasse de lui pour tout le reste de la partie. Une fois que vous savez tout ça, et que vous maîtrisez également le déroulement du début du jeu, vous devenez capable de traverser la zone de confinement léger en une petite trentaine de minutes, et de foncer tout droit à la cellule de 106 pour le recapturer après n'avoir eu à subir ses assauts que deux ou trois fois à tout casser. Et lui aussi passe de Terminator à monstre de Scooby-Doo. Pour terminer, à force de tester les différents SCP et la plupart du temps de décéder dans le processus, vous finissez par identifier les quelques-uns qui peuvent vous être utiles, et ceux qui sont uniquement un danger et dont vous devez rester loin. SCP-500, la boîte à pilules de panacée? Très utile, à se procurer aussi vite que possible. SCP-966? Ouvrir leurs cellules libère dans tout le complexe ces entités invisibles et agressives, donc non, mauvaise idée, à contourner autant que possible. SCP-1033-RU, c'est un anneau qui peut tanker à votre place jusqu'à 5 coups fatals, même si les 5 coups sont vite passés. Eh oui, c'était un par balle. SCP-178, ce sont des lunettes stéréoscopiques qui révèlent la présence d'entités hostiles qui n'existent pas tant que vous ne chaussez pas ces lunettes, et c'est leur seul effet, donc poubelle. SCP-214, c'est une machine à café trouvée dans la cafétéria de la dernière section, qui a théoriquement la capacité de dispenser n'importe quoi sous forme liquide, même ce qui est conceptuel. Je dis théoriquement parce qu'évidemment dans le jeu, seule une quantité limitée d'entrées ont été codées, qui se compte tout de même en centaines. Je me suis cru malin à commander un verre de pilule de panacée liquide, mais ça ne faisait pas partie des demandes reconnues. La plupart des choses exotiques que vous pouvez en tirer sont mortelles, et seules quelques demandes spécifiques soignent le joueur ou le buff, donc disons, modérément utile après quelques tests. Sur la petite cinquantaine de SCP inclus dans le jeu, il y en a 5 ou 6 à tout casser qui vous sont purement bénéfiques. Mais ceux-là, vous serez bien content de les avoir identifiés, et de pouvoir les attraper au passage sur vos essais suivants. Pour conclure, Containment Breach n'est pas un jeu que vous pouvez lancer et mener directement à terme, malgré la mécanique de sauvegarde, qui sur le papier vous sécurise par rapport à toutes les causes de décès potentielles que le jeu présente. On est plutôt sur quelque chose d'intermédiaire entre le survival horror scénarisé classique et le roguelike. Vous allez vraisemblablement devoir recommencer du début une fois, deux fois, trois fois et peut-être même plus, mais comme dans un Super Mario Bros, ce n'est pas du temps perdu et vous apprenez petit à petit par l'échec. Ce processus d'apprentissage et de déminage d'un jeu qui est complexe, il y a des moyens de le contourner, ou de le court-circuiter. Moi par exemple, j'ai utilisé la console pour me rendre invincible, comprendre le fonctionnement du timer du vieil homme, supprimer les SCP qui m'emmerdaient le plus pour pouvoir explorer en paix, et jusqu'à passer à travers les murs pour pouvoir étudier et comprendre la structure de la carte. On peut aussi potasser le wiki du jeu, assez complet, qui détaille ce qu'on peut trouver dans chaque section, les mécaniques associées à chaque SCP, et l'emplacement des objets clés comme les passes de sécurité. Cela étant dit, ces deux approches relèvent également d'une forme de démarche scientifique, et elles ne me semblent pas beaucoup moins valides que de se taper la tête contre les obstacles jusqu'à savoir les franchir. Et de la part d'un jeu adapté d'un ensemble de fictions écrites, avoir un game design qui vous encourage à aller lire les détails des SCP dans leur rapport pour mieux comprendre à quoi vous avez affaire, semble plutôt approprié, et c'est une forme de réussite en tant qu'adaptation qui mérite aussi d'être saluée.
Quand on essaye de penser et de déconstruire l'horreur, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, on finit par retomber sur une question fondamentale. À quoi ça sert ? Pourquoi cet auteur ou ces développeurs ont choisi d'inscrire leur œuvre dans le genre de l'horreur, avec tous ses codes ? Et tous ont leur propre réponse. Dans certains cas, c'est parce que c'est fun. Le public recherche les sensations fortes procurées par ce genre, et il est parfaitement légitime de simplement proposer de l'horreur pour l'horreur elle-même. Dans d'autres cas, c'est pour véhiculer un propos qui est avantageusement servi par les codes qui sont mobilisés, et je peux prendre comme exemple le film Shining, qui est certes un film d'horreur, mais qui exploite ça pour parler de beaucoup de choses, et notamment d'alcoolisme. Et puis, faire peur au public peut avoir pour but de lui enseigner à vaincre la peur. Et vous aurez bien compris que c'est le cas ici. Containment Breach est le jeu le plus terrorisant que je connaisse avec mon expérience certes limitée de ce genre, et pourtant ce n'est pas un jeu qui veut vous faire peur. Ce n'est pas un train fantôme. Ce n'est pas le petit jeu SCP-087 qui l'a inspiré et qui n'a rien d'autre à proposer qu'une descente tendue le long d'un escalier obscur, se terminant sur une bonne frayeur, un éclat de rire pour retrouver sa contenance. Containment Breach veut vous apprendre à dominer la panique, à surmonter l'inconnu et le surnaturel, à étendre votre zone de confort. Alors certes, il est tout pété techniquement, certes, il est moche sa race, certes, une partie des mécaniques et des étapes de résolution de cette énigme à grande échelle sont un peu abusées, et certes, il est probablement trop difficile d'entrée de jeu pour être accessible à un large public. Mais sa proposition ludique est à ma connaissance unique, réussie dans l'ensemble, et profondément admirable dans son principe. J'aimerais que la scène professionnelle de l'horreur prenne davantage connaissance de Containment Breach, et puisse en tirer des enseignements. Et bien sûr, ça vaut doublement pour les adaptations de l'univers de la Fondation, qui ont beaucoup mieux à proposer qu'un énième FPS dans un cadre sympa. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive le zombie, la statue tueuse, le vieil homme d'une autre dimension, le médecin de la peste, le virus, les bestioles invisibles, les instakills et les balles des bidasses. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des retours dans l'espace commentaire pour me dire par exemple que ces captures sont trop sombres, comme si j'y pouvais quelque chose, et ayons ensemble une pensée pour les étudiants de Rennes 2 qui ont dû subir une version moins bien illustrée et bredouillante du même propos grâce à la magie du direct. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là n'ayez pas peur de demander un verre de boule de feu au SCP-214, il paraît que ça a un goût de pizza 24 fromages.